Adam had a reason why he wanted a mate. And I want that to be the reason why you guys today you will become together. Adam was not marrying because he was looking for a financial partner. He was not looking for someone to help him handle the bills. Because actually when God created him, he gave him everything he needed in the Garden of Eden. Adam was not marrying because he had some fleshly desire that he wanted to satisfy. Adam was not marrying because his age was advanced. That wasn't the reason. The reason why Adam was trying to get married is because he was looking for someone to share the beauty and the wonders of his life. Finally, it took a while for me to accept and, to actually talk to him in person. And when I saw him, I mean, it was his courage. That was the first thing that stood up to me. You know, il est vraiment courageux, and the way he was moving, and, you know, and I was like, okay, you know, but I didn't really think too much. And but he was very open, very much alive, you know. So that was the thing that actually drew me to him, you know. He knew how to talk to me. He had, you know, he knew exactly what to talk to me about, and, you know, and we had a lot of intellectual conversation, and I loved the way he was thinking, you know, the way he thinks, and yes. Je venais de Wisconsin, je suis venu à Dallas et comme tout chrétien, il fallait chercher une église d'attache. Alors il fallait m'allier à quelqu'un qui pouvait me référer Christelle. Et Christelle m'a conduit dans son église. Et chemin faisant de son église, on s'entretenait et je voyais qu'elle m'avait beaucoup attiré par sa nature, par son éducation religieuse. Et c'est par là que les sentiments ont commencé à naître. Pour
Et la plus de choses qui m'a vraiment, vraiment, vraiment attiré, c'est son caractère, son comportement, son éducation religieuse. C'est-à-dire que c'est une fille qui est vraiment intégrée dans la prière. Son temps plein est au travail, à la maison et à l'église. Elle a beaucoup plus de temps à l'église qu'ailleurs. Et c'est vraiment la chose qui m'avait vraiment attiré. Yves and I met early 2017, and actually he is one of my uncle's friends. He moved here, that was when he just moved here to Texas from Wisconsin. And you know, because he's known the family for a long time, my aunt called me and he was like, no, we have a family friend who just moved over there. If you can please invite him to church. I think she was setting me up. Everything is turning around for my good. Et mon âme te loue, car nul n'est comme toi. C'est un chant nouveau qui monte dans mon cœur, un cantique d'amour pour mon seul sauveur. Il m'a pris de loin, il m'a lavé et m'a racheté et placé à ses côtés. Je l'ai rencontré, il y a beaucoup de choses. Je suis devenu beaucoup plus sage qu'auparavant. Et mon cœur s'est encore agrandi à supporter les autres. Ma vie spirituelle a grandi. C'est-à-dire que peut-être j'avais moins de temps avant et maintenant c'est beaucoup plus de temps pour prier, pour aller à l'église. Donc voilà, quoi. Elle a beaucoup apporté. Et même des choses qu'elle n'a pas encore changées, par sa présence dans ma vie, ça change d'elle-même. Les choses changent d'elle-même.
And then because of those reasons, nothing can separate those that God puts together. It should never be money, it should never be sex, it should never be children, it should never be any other reason but the thing that is from within. Adam, when he saw Eve, he said, "This is bones of my bones, flesh of my flesh." Bones is something that you don't see. So it means that what attracts you to this young lady and what attracts you to this young man is something that eyes cannot see. And that thing will remain unbreakable. When I first met my wife, a lot of people were criticizing me. I don't know, they were jealous because my wife was beautiful and is still beautiful. And since they couldn't approach him, you know, I was good at my game back in the day. You know, yeah, I might be a pastor, but I had some swag back in the day, you know. Another thing that I told you, God saying in the Bible, in the scriptures, that you, men, you need to love your wife, you need to respect your husband. And the reason why God put those two elements together, because they complete each other. As I told you, Christelle, that Eve doesn't need your love. He needs your respect. Because the translation, men translate respect as love. You may say all the good words to your husband. If you don't respect him, for him, you don't love him. If you give him the respect he deserves, because he's your chief. After this moment, this is your chief. So after Jesus Christ, he's the one that comes. And I'm sorry, I'll tell you, he's not your father. He's not your pastor. He's this man. And I trust him in many ways. The Bible says you need to love him. She will be submitted to you. She will respect you. But in return, God knew that sometimes we take for granted the respect. Especially men. When a woman loves you, she's so humble. She's so patient. Sometimes we take for granted those reality. And God turned to you, say, she's going to respect you, but love her. Because when you do love her, you'll be patient. When you love her, you will also respect her. When you love her, she's not only going to be submitted to you, but you will also be submitted to her in area where she is stronger than you. The words you say will always achieve what it's meant to do. Oh, nah, nah. He's a great dealer. Before God, family, and friends, I take you today as my husband. You are an answer to my prayers. And I will spend the rest of my life thanking God for you. For thanking God for loving me so much that He sent you to me. I promise to be for you the helpmate
that God intended from the beginning. I will honor you as my spiritual head. I will follow you as you follow Christ. Alors, comme dans la Bible dit, apportez vos offrandes, vos sacrifices dans la maison du Seigneur et les écluses du ciel vont s'ouvrir pour vous. Et pendant que les écluses du ciel s'ouvrent, et je demande à Dieu de me donner mes jumelles et mes jumeaux. Receive it. Yes, receive it. Heavenly Father, this is a blessing that came from the womb of heaven. This is a marriage you have joined together. It is a blessing long waited for, a blessing designed by you, where you have taken these two souls and put them together. And the Bible tells me it is the blessings of the Lord that makes one rich. And there is no sorrow attached to it. With the authority you have given me, I have declared Yves and Christelle husband and wife. Yves, you may kiss your bride. Ladies and gentlemen, allow me to introduce you to Mr. and Mrs. Bamba. Alors, salut tout le monde. Je suis l'oncle de Christelle. C'est M. Espérant Matondo, le frère de la maman de Christelle, maman Lily. Je suis venu spécialement de Londres pour cette occasion du mariage de ma nièce Christelle et Yves, son mari. Je suis très content parce qu'elle m'avait présenté Yves l'année passée. 6 mois après, on m'a annoncé leur mariage. Et je me suis dit que je ferais tout pour arriver, pour venir assister à cette cérémonie. Une cérémonie grandiose de 3 jours. Tout s'est bien passé, tout continuait à bien se passer. On est ici en train de festoyer, de fêter le mariage de Christelle et son mari Yves. Et la famille est réunie, les amis sont réunis. Aujourd'hui, c'est le mariage religieux. Ils ont été bénis. Alors en tant qu'oncle aussi, je bénis leur union et qu'ils soient bénis financièrement aussi et spirituellement, qu'il y ait des enfants.
Je suis émotionné. Et c'est une émotion de la joie. Le conseil que je donnerai au couple marié de rester unis, comme le pasteur a dit, il faut que vous deveniez, soyez un et une seule personne. Donc, ma nièce, soyez soumise, et à Yves d'aimer sa femme qui est Christelle. Alors, je vous remercie, que le bon Dieu vous bénisse. God bless you all. Thank you very much. Donc bonjour, je suis Emmanuel Sterck, je suis le neveu de tonton Yves, ma maman est sa grande sœur, donc voilà, je suis le neveu de tonton Yves. Donc voilà, je souhaite beaucoup de bonheur à tonton Yves et à Christelle, car un mariage c'est toujours quelque chose de très important, et le mariage amène toujours les deux familles ensemble pour n'en former qu'une, et aimez-vous de manière inconditionnelle, car c'est la seule chose qui compte. Je vous souhaite énormément de bonheur pour la suite. Ok, donc moi c'est Armand Bamba, moi j'ai du Canada en fait, et puis je suis le neveu de tonton Yves. Moi je souhaite beaucoup de bonheur, une longue vie, la santé aux deux, le mariage est très important, et puis c'est une grosse union aujourd'hui. Je suis très fier de les voir se marier aujourd'hui. Et puis je souhaite la joie, je souhaite I just want to say, Yves, that I love you. You are not only my love, my lover, my best friend. And I also want to say thank you for honoring me on this day. And you know, thank you for giving me all the love that I needed and that I need. And yeah, just thank you. C'est né ni par la puissance ni par la force, mais c'est par mon esprit ni l'éternel des armées. Frère prince d'Adi Mossa, conduis la louange. La seule chose que je peux dire, I love you in deep on my heart, Christelle. I don't have a lot of stuff to say, but you are everything for me. You are everything. I love you, and I will love you all the time in my life. All the single ladies, all the single ladies, all the single ladies, all the single ladies.
garderai mon cœur. Que le diable ne nous divise pas. Je t'aime comme un enfant. Je t'aime de tout mon cœur. Je t'aime, tu connais mon cœur. Il nous soutient, restons ensemble. Avec toi, j'ai plus de limites. Avec toi, j'ai banni la crainte. Avec toi, on franchit une miraille. L'assurance, Jésus m'a donné. Pour toi, je rendrai pas les mal à ceux qui ont fait mal à mon cœur. Grâce à toi, je les ai oubliés. Tu as su rejurer mon cœur.